Vous savez, dans ce monde, il y a plus
Il y a plusieurs pensées dans ce monde. Chacun a une pensée sur le mariage. Chacun a une façon de concevoir le mariage. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que ceux qui connaissent la parole de Dieu, nous savons qu'il y a une seule pensée sur le mariage. Et la seule pensée sur le mariage, c'est écrit ici dans la Bible. C'est Dieu qui l'a donné. Vous savez, le monde est créé par le Seigneur, par Dieu. Les choses visibles et invisibles, c'est Dieu qui les a créées. Et c'est lui qui règle toutes choses. Alors de toutes les pensées humaines, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre loi, la Bible, qui est notre constitution. Alors si nous voulons comprendre bien la pensée du mariage, nous devons interroger le Seigneur qui a fait que le mariage puisse exister. Et sans plus tarder, nous allons lire une écriture. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 12. Si le lecteur est là, il y a un lecteur prêt. Ok, nous pouvons lire. Je lis au nom de Jésus. Amen, le prophète. Matthieu chapitre 19. Gloire au Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit au confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là il guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, es-tu permis là à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, il fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et le deux deviendront une seule chair. Verset 6, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse, a-t-il commandé à donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9, mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour la fidélité, et n'épouse une autre, commet adultère. Verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Verset 11, il est répondu, ils ne comprennent pas de cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Verset 12, car il y a des uniques qui sont de le sang de leur mère, naquis le sont devenus par la main des hommes, et il y a qui se sont rendus uniques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre les comprenne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, le Seigneur. La Bible nous dit, Jésus faisait son évangile. Il était ensemble avec les disciples. Il faisait des miracles, il allait de ville en ville, village en village, prêcher la parole de Dieu. Et au moment où Jésus était en train de prêcher, au moment où Jésus était en train de faire des miracles, la Bible dit qu'il y a eu des pharisiens qui sont venus pour l'éprouver. Ce n'est pas seulement pour essayer de comprendre certaines choses, mais là où je parle d'une preuve, ils sont venus pour éprouver Jésus. Et ils ne voulaient pas comprendre ce que Jésus pouvait dire.
concernant le malade. Parce qu'eux, ils avaient une pensée. Là, il y avait des écoles de pharisiens, des écoles de Hillel, de Sadducéens. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs écoles à ce moment-là. Il y avait plusieurs orientations à ce moment-là. Mais comme chaque orientation avait sa pensée, il devait avoir une pensée par rapport au maître. Parce que Jésus-Christ était le grand enseignant. Il est venu avec une doctrine, peut-être que certaines personnes ne comprenaient pas. Et par rapport à l'évangile, on a compris que celui-là est différent de nous. Mais parce que Jésus, selon nous les chrétiens, selon ce que nous comprenons dans la parole de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. 100% homme et 100% Dieu. Amen. Ils ne sont pas là vraiment pour expliquer ça. Mm-hmm. Pourquoi j'insiste sur la naissance de Jésus-Christ? Parce que nous voulons comprendre qu'il savait à qui il pose la question. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Parce que même les docteurs de la loi, comme le Nicodème, pour savoir comprendre les choses, ils venaient la nuit poser des questions à Jésus. C'est que Jésus n'était pas n'importe qui. Parce qu'on a dit, jamais on n'a parlé comme celui-là. Alors, étant Dieu, Jésus-Christ en tant que Dieu, il a la pensée exacte du mariage. Parce que c'est lui le créateur du mariage. C'est lui qui a créé l'homme et la femme dans le jardin. Alors, pour que nous puissions comprendre la pensée de Jésus du mariage, nous devons interroger celui qui a fait le texte. Nous devons interroger celui qui a créé la chose. Mais pour savoir la motivation de l'avion, il faut commencer à monter en amont. Savoir celui qui a inventé l'avion, quelle est la pensée qu'il avait. Donc il va nous expliquer quelle est la pensée qu'il a sur l'électricité. Alors, Jésus-Christ en tant que créateur, Dieu, les pharisiens sont venus pour avoir une pensée exacte sur le mariage. Est-il permis? Voilà, il commence à comprendre la pensée par une question. Est-ce qu'est-il permis à un homme de répudier sa femme? Alors Jésus pouvait dire oui ou non. Il ne voulait pas dire oui ou non, mais il les amène à comprendre sa réponse par rapport à un enseignement. Alléluia! Alléluia! Dans son palais, tous écrits. Je sais que le jour du mariage, nous ne prêchons pas le marié. Parce que on les a suivis, après ils auront toujours une suivi, mais nous voulons, comme nous sommes réunis ici, que chacun puisse avoir une pensée de Dieu sur le mariage. Parce que tout homme naît, grandit et on cherche toujours à se marier. Et aujourd'hui nous voyons comment le mariage se disloque, comment le mariage se casse, comment les gens vivent dans leur foyer. Jésus dit, avant de vouloir dire, comprendre la chose, Jésus leur ramène au commencement. Permet l'Esprit de Dieu sur le commencement, il savait pourquoi il crée l'homme. Et comment l'homme et la femme devaient parcourir le chemin du mariage. Est-il permis à un homme? Écoutez la réponse. Jésus dit ceci. N'avons-nous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur. Il commence par le commencement. Mais pour comprendre une chose, il faut aller au commencement. Il faut aller au commencement, au début de la chose. C'est lui qui a créé le texte, quelle est la pensée qu'il avait. On ne peut pas interpréter la chose comme ça sans connaître l'esprit du texte. Sans pourtant comprendre l'esprit de celui qui a créé le texte. C'est ça que même les juristes disent. L'esprit du texte. Aujourd'hui, s'il y a des débats, des discussions, toujours on ramène, s'il y a des contradictions, on ramène les gens à comprendre la pensée du texte, l'esprit. Quand on a écrit, quand on a commencé, quand on a fait le texte là, quel était l'esprit du texte? Et pour comprendre l'esprit du mariage, Jésus le ramène au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il n'y avait pas deux femmes, il n'y avait pas sept femmes, mais il dit l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'après il dit un homme pour une femme pour un homme. Alléluia. Amen. Parce que Dieu était capable de donner à temps, dès les 5 femmes. Il pouvait le faire. 10 femmes.
le faire. Mais il dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. D'emblée, nous comprenons que le mariage, un homme doit avoir une femme. C'est ça. Un homme et une femme. Et il dit, et il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils font un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dans notre Bible, on dit ce que Dieu a joint. Que nous comprenons l'importance du joint. Quel est le rôle du joint? Quand on dit joint de Gilas, par exemple. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a, il permet de réunir le bout et la partie supérieure. Et quand on met ça, vous allez voir que l'eau, même l'huile ne peut pas couler. Et quand l'huile commence à couler, c'est-à-dire que le joint a failli. C'est-à-dire que l'unité, l'unité ici, quand il devient une seule chair, et les deux deviennent une seule chair, ça signifie quoi? C'est une mélange homogène. La réforme fait par la chimie, je pense. Voilà. Mélange homogène. C'est-à-dire que le mélange homogène, c'est quoi? Le mélange, par exemple, de l'eau et du sucre. Si vous mélangez l'eau et le sucre, vous mettez les cafés. Je vous dis après de les séparer. Moi, je pense que ce ne sera pas possible. Voilà. Mais pourquoi les gens veulent séparer ce mélange? Mais pourquoi les gens veulent détruire l'unité? Bien, aujourd'hui, nous sommes capables, là, de prier pour eux. Ils sont devenus un. Mais nous sommes incapables de les séparer demain. Même nous, les pasteurs, ni les parents, tout le monde doit être devenu incapable de les séparer. C'est ça le choix. Et dans la mécanique, sur le choix, fait une faillite, on peut aller dans un magasin acheter le joint pour remplacer. Mais pour nous bien-aimés, si par exemple il y a des problèmes dans votre couple bien-aimé, vous ne pouvez pas aller dans un magasin. Non, mais nous pour acheter notre joint, pour remettre le joint en place, l'unité, nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons la parole. Devant les difficultés, devant les problèmes, bien-aimés, il n'y a que la parole de Dieu qui peut arranger. Il n'y a que la parole. Moi là, aujourd'hui, bon, le 24 septembre, c'est. Nous avons 26 ans de mariage. Amen. Nous avons compris 26 ans de mariage. Amen. Avec mon épouse, ma chère épouse, elle peut s'élever là-bas. On peut parler. 26 ans. Depuis que nous nous sommes mariés, 26 ans. Mais alors, quel jour, ma femme a réussi, même une gifle, comme elle ne l'a jamais. Même une insulte, une injure, jamais. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y en a. Mais nous essayons de les surmonter. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, dans le mariage, il faut que l'amour prenne. Bien aimé. Amen. Il faut que l'amour prenne. Aujourd'hui on aime bien, mais demain on dira que non, je ne veux plus de Pamela. Pourquoi? Parce que Pamela ne sait pas préparer. Non. Non. Même si elle ne sait pas préparer, il y a moyen d'arranger ça. Il y a moyen. Qu'est-ce qu'on ne peut pas arranger? Si nous voyons des gens qui ont compris 50 ans de malade, 30 ans, bien aimé. C'est-à-dire que vous devez les féliciter. Parce qu'il y a eu de haut et de bas. Mais ils étaient capables de les surmonter. Il faut qu'il y ait l'amour. Vous savez, il y a un écrivain, encore de cette Exupéry, a dit, l'amour, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Et c'est le même principe que Dieu a fait. Pour sauver l'humanité, il est venu mourir sur la terre pour nous. C'est ça l'amour. Mourir pour les autres. Souffrir pour les autres. C'est ça l'amour. À l'homme, Dieu demande d'aimer. De venir aimer parmi là comme il faut. Alors le Pamela, il n'y a plus d'une autre femme plus jolie que Pamela. Oui. Bien qu'on sait, on peut dire que non, elle
un homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je ne comprends pas comment une femme comme ça peut aller aimer un homme comme ça, comme lui. Mais toi, tu n'es pas elle, là. Elle, c'est elle. Amen. Elle a vu que l'homme qui convient pour faire, c'est celui-là. C'est fini. Un point, un trait. Et quand on aime, comme je dis qu'il faut aimer savoir quelqu'un pour qui nourrir. Quand on aime, ça s'exprime. L'amour, ce n'est pas seulement au nom dans les paroles, tout ça, non. Quand on aime, c'est dans les actes. Amen. On doit les manifester. Hein? On doit les manifester. Et il y a des gens qui disent, bon, non, je t'aime, mais par après, on ne voit pas les actes. Oui, même si moi je sors pas de ma bouche que je t'aime, si les actes sont là, ça dit que je t'aime vraiment. Et il y a des gens qui disent que je t'aime, mais ils ne font rien. Rien après, hein? Ah, c'est l'amour fantôme, voilà. Le vrai amour, ça se manifeste. Dieu est devenu comme toi, tu es là. Quand toi, tu as un iPhone, téléphone iPhone, et ta femme, tu dis, ah, je ne sais pas quoi, un Samsung, ce n'est pas bien. Quelqu'un d'homme se marie. Mais le Seigneur dit, cela n'est pas donné à tout le monde. Amen. Sauf ceux qui ont reçu ce don. C'est-à-dire que tout ça pour l'accepter, il faut avoir l'esprit. Il faut avoir ce don-là de vouloir comprendre la pensée de Dieu. Amen. Amen. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais quitter ne signifie pas que vous abandonnez la famille. Parce que là, qui pense que quand on quitte la famille, on doit se dire que non, mon père, ma mère, mes frères, c'est fini. Non, non. Quitter dans le sens de responsabilité. Parce que la Bible dit, c'est lui qui n'aime pas son frère, épouse qu'elle est prier. Amen. Alléluia. De temps en temps, Pamela est bienvenue et il y a l'occasion d'aller voir les parents. Si vous avez les moyens, vous faites du bien pour eux aussi. C'est quand même important. Ils vous ont engendré. Et la Bible dit, la fierté des parents, ce sont les enfants, c'est leur héritage. Amen. 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 Nous continuons, parce que nous n'avons pas assez de temps. Et la Bible dit, s'il vous plaît, mes lunettes, s'il vous plaît, je les ai. La Bible dit, nous continuons rapidement. Il dit, il leur répondit, pourquoi leur Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce? Quand il divorce d'avec elle, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Merci. Il n'en était pas ainsi. Et il continue. Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela est possible qu'à ceux qui ont reçu ce don. Alléluia. La Bible nous dit de ne pas rejeter la femme de sa jeunesse. Alléluia. C'est une malédiction de rejeter la femme de sa jeunesse. Ouais. Lisons rapidement Malachie 2. Malachie 2, 14, 15. Lisons rapidement, rapidement, rapidement. Malachie 2, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen.
et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin de toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Bien qu'elle soit ta compagne et ta femme de ton fiancé, de ton alliance plutôt. Je continue. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui a promise. Prenez donc garde à votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Amen. Alléluia. Amen. Ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Allez-y ensemble. Allez-y ensemble jusqu'à la fin. Amen. Allez-y ensemble. Nous savons qu'il y a le haut et le bas. Mais la femme est femme telle qu'elle est. La Bible dit au commencement là, Ève a mangé le fruit interdit. Mais quand l'homme est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que tu y as fait? Non, Satan m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Mais regardez, Adam n'a pas péché. Il n'a pas brûlé, ce n'est pas Adam qui avait traité avec le serpent. Mais par amour, Adam prend le fruit et il mange. Ils étaient chassés du jardin. Mais ce n'est pas facile. Ils ont vécu ensemble. Là, j'insiste sur l'alliance. Aujourd'hui, on va prier pour vous. Chers parents, là, il faut bienvenir. Vous avez contracté une alliance. Et cette alliance, c'est une alliance définitive. Amen. Ce n'est pas un CDD, un contrat libre de terminer, non. C'est un CDI en majuscule et souligné en rouge de trait. Voilà. Nous les contacts que nous les faisons sur vos profonds. C'est ça. Souligner deux fois en bas pour attester que le résultat est vrai. Pour arriver à cela, j'ai dit d'abord, il faut les dialogues. Dialoguer à tout moment. C'est-à-dire que Pamela est devenue votre première amie et vice-versa. Au milieu de vous, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. On se tue de tout. Parle de tout. Il n'y a pas de secret. Et au milieu de ça, il faut qu'il y ait aussi le pardon. Pardonnez-vous mutuellement. Et à tout moment. Parce que dans certains couples, il n'y a pas de pardon. Il n'y en a pas. Ils vivent comme ça seulement à cause des enfants. Mais quand vous êtes marié aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant, non? Où est l'enfant? Présentez-nous l'enfant. Il n'y a pas d'enfant là-bas. Ils sont que deux là. Mais demain, on va dire que si nous sommes là, c'est à cause des enfants. Mais le premier jour, c'est les enfants étaient là. C'est grave. Mais je sais que vous aurez des enfants, même des jumeaux. Mais s'ils ne viennent pas encore, l'amour doit toujours être consolidé. Consolidé. Parce que toi qui as aimé Pamela et Pamela t'a aimé. Donc ça reste là, ça continue jusqu'à la fin. Il ne faut pas que l'amour soit seulement pour les enfants. Parce que nous, les enfants ont grandi, voilà, si on se sépare, ce n'est pas bien. Mais là, vous faites quoi? C'est devenu une association des gens, seulement c'est fini. Pour garder les enfants. Ça, ce n'est plus le mariage. Parce que le mariage a un objectif bien défini. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes là, si seulement c'est pour le mariage, allez arranger ça. Allez arranger. Et la Bible dit à la femme que la femme soit soumise. Vous savez, la soumission de la femme, ce n'est pas un esclavagisme. Amen. Comme peut-être on voit dans le pays ailleurs, donc la femme est devenue comme un instrument de travail. Pourquoi non? La femme, c'est une compagne. C'est-à-dire qu'ensemble avec l'homme, ils mènent à bien leur entreprise qui est le foyer ou la famille. Il faut aider le vrai bienvenu à cette grande responsabilité. Allez. Il ne faut pas seulement être comme les autres femmes là, tout ça bon. Même si ça ne marche pas tant mieux, mais la première conseillère c'est toi.
sur la gestion même. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont acheté une maison, je ne sais pas, des grandes choses, c'est à cause de la femme. Parce que la femme est une grande conseillère. Alléluia. Alléluia. Mais en donnant toujours l'homme sa place. L'homme doit avoir sa place. Vous savez, dans une maison, nous n'avons pas deux chefs. Nous n'avons pas deux, mais la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Mais quand on est chef, c'est vrai qu'il y a une responsabilité pour diriger. Parce que dans chaque entreprise, il y a toujours un dirigeant. Nous avons un directeur, un sous-directeur, ainsi de suite. Toi, tu es le directeur de la famille. Pour être directeur aussi, il faut avoir la tête. Ça doit bien tourner par rapport aux écritures, par rapport à la parole. Pamela ne fait pas comme les autres femmes le font. Très bienvenue quand il est là, non, moi je suis bien. Allez voir dans le frigo, il y a des trucs dans le frigo. À la cuisine, il y a déjà des choses qui sont là, tu ne vois pas. Moi je suis fatigué. Non. Non, ce n'est pas ça. Parce que moi je ne mangeais pas vraiment la semoule. Mais si je mange la semoule, il faut que cela soit chaud. Qu'on le prépare à ce moment-là. Même si j'arrive à 2h du matin, préparez pour bien vivre. Préparez. On ne peut pas avoir une maison à deux têtes. La soumission est importante. Vous savez, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont d'une manière parallèle. Si on est, si Dieu venu aime Pamela, elle sera soumise. Alléluia. Et si Pamela est soumise, bienvenue va l'aimer. Donc, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons autre chose dans les maisons. Nous voyons autre chose. Les femmes sont devenues. Si vous ne voulez pas, je vais jeter des trucs. Non, le mari est en bas, mais la femme commence à jeter des trucs sur la fenêtre. Et puis même, ça se passe même dans le milieu chrétien. On dit que nous sommes des hommes. Non. La Bible dit que cela n'est pas donné à tout le monde. Nous, les chrétiens, nous retournons à faire par rapport à la parole de Dieu. Vous avez les parrains. Vous avez les parrains. Et vous avez l'église. Si il y a un problème, l'église est là. Les parrains sont là. Vous avez les pasteurs. Ils vont régler les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Passons par les tous écrits. Passons par les tous écrits. Si on a pris ça, je suis au centre de la famille. Bien-aimé, on est censé aller loin. Et les enfants vont trouver en vous un exemple total. En grandissant, ils vont dire que je vais être comme maman et je vais être comme papa. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas se marier parce que leur maman souffre trop dans la famille, dans le foyer. Mon père fait souffrir, il pense que le mariage est mauvais. Vous allez trouver un enfant, une fille qui se dit que moi je ne veux pas me marier parce que le mariage est mauvais. Mais non, il va les habiller. Ouais, c'est bien. Et si les garçons font souffrir la femme, il va faire que ça aussi. Ok, merci. Et c'est ça la vie du mariage. Qui est l'amour, qui est le pardon, qui est le respect mutuel. Et Dieu fait en sorte que le mariage puisse avancer. La vie de vous ferez autant de la vie. Comme nous aussi nous avons fait. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer, 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 acclamer. Acclamer un grand dernier pour le Seigneur. Moi je me libère pour cette première partie et je pense que. Je remets la parole à l'évangéliste maître qui va continuer et va revenir après. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Amen.
Voilà, ce mariage, ce couple réunit des églises. Donc ici, c'est l'église du frère Bienvenu. Et la sœur Pamela a aussi son église et elle a aussi son pasteur. Donc nous allons laisser la place au pasteur de Pamela. Il a quelque chose à dire au couple et aussi à nous qui sommes là présents. Nous allons recevoir le pasteur Francis sous vos acclamations, bien sûr. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. J'ai 15 minutes. Quand les 15 minutes seront, vous faites ça. Parce que je suis très bavard. Pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a été ressuscité et moi, il m'a ressuscité. C'est pourquoi je suis bavard pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si vous me voyez, je vois que c'est que je suis revenu là. Et ça colle les sacs sur les mains. Ça ne peut pas être bavard. Bienvenue. Pamela. C'est le jour J. Et c'est le début de la vie en tant que marié. Et c'est la fin des tractations, c'est la fin de tout ce que vous avez appris. Voilà, j'ai suivi ces deux jeunes et la question que je leur posais, quel était le sens du mariage et quelle était la signification du mariage? Pourquoi Dieu a institué le mariage? Intellectuel qu'il est, tout de suite la réponse est venue. Avec un autre jeune qui va se marier le mois prochain, venir chez nous, qui est là aussi. Ce sont des intellos qui m'ont répondu. Le mariage, Dieu l'a créé pour la procréation. Alléluia. La procréation, ça veut dire que Dieu a créé et il fallait qu'il y ait des personnes qui puissent continuer l'œuvre de Dieu. Je leur ai dit que dans la pensée de Dieu, le mariage n'était pas pour la procréation. S'il en était ainsi, eh bien aujourd'hui, bienvenue pouvait aller faire la procréation dans la rue avec n'importe quelle femme, la première qui viendrait se présenter. Donc ce n'est pas pour la procréation. Alléluia. Dieu a institué le mariage tout simplement dans un seul but, que l'homme qu'il avait créé était seul. C'est pour la solitude que Dieu a créé Ève, pour que Adam soit maintenant satisfait et que la solitude s'efface et qu'il soit deux. Alléluia. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai semblable à lui. Donc, dès l'instant où l'homme est venu, à Ève est venu vers l'homme, vous avez vu la réaction de Adam si vous lisez la Bible, parce que nous n'étions pas là dans le jardin d'Éden, et nous apprenons qu'il était devenu poète. Lui qui ne parlait pas, il commençait à voir, oh ben, ça c'est os de museau, chair de ma chair, il commençait donc à raisonner, il commençait donc à balancer des poèmes. Et Adam est devenu un homme heureux. Alléluia. Tout à l'heure, mon bien-aimé, le pasteur de Zola a parlé de la soumission. La soumission, je voulais expliquer cette soumission. C'est-à-dire que, bienvenue, tu as une mission. Tu as une mission que Dieu t'a chargée. Tu dois être responsable de cette mission. Tu dois être le chef de cette mission. Et Pamela, à partir d'aujourd'hui, doit être soumise à cette mission. Soumission. Soumission.
Elle est sous la mission et toi tu portes, tu dois être responsable de cette mission. Elle, elle doit être soumise à cette mission. Alléluia. Mais je ne sais pas combien de minutes déjà, 2-3 minutes. Alors je voulais partager avec vous deux psaumes. Ensuite un verset. Donc deux psaumes plus un verset. Le premier psaume, nous allons aller au psaume 133. J'ai dit au nom de Jésus. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. On peut dire amen. Amen. Amen, hein? Amen. Nous sommes les enfants des Alléluia et des Amen. On nous appelle. Amen. Alléluia. Je vois que ce n'est pas une fusion d'église, mais c'est un partage et l'église de Christ, lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Et nous, nous sommes le mont Sinaï. C'est le lieu où Moïse a eu les 10 commandements. Alléluia. Et nous sommes heureux que de nous retrouver ici, sans distinction de race, sans distinction de nationalité, sans distinction de quoi que ce soit, des situations familiales, des situations professionnelles. Mais ce qui nous rassemble ici, c'est l'unité de Bienvenue et de Pamela. Alléluia. Nous allons nous réjouir tout simplement pour que la fraternité, l'unité spirituelle, qui sont le fondement de Dieu pour le mariage qu'il a institué, va faire que cet après-midi, nous soyons tous dans la joie, dans l'allégresse. Que celui qui est dans la joie, dans l'allégresse, dise amen. Amen. On a tout préparé, on a tout fait pour que vous soyez vraiment dans la joie cet après-midi. Mais, même si nous sommes dans la joie, ce ne sera pas la joie de Bienvenue et de Pamela. Dans leur cœur, ça boue, ça bouillonne. Ça bouillonne pour eux, c'est la joie est débordante. Elle est abondante. Alléluia. Quand ils vous voient là, quand ils nous voient, leur cœur tremble. Vous ne pouviez pas vous imaginer que ce jour serait de cette manière. Mais nous sommes là. Oh, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile, l'huile précieuse de Dieu, c'est à travers cette huile-là que Dieu fait descendre son onction et ses bénédictions sur nous cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Vous sortirez d'ici, chacun sera béni. Amen. Et ils seront hyper bénis, pas super, mais hyper bénis. Amen. Donc Dieu est venu là, c'est pas seulement pour manger, c'est pas seulement pour danser, mais Dieu est venu là surtout pour bénir nos bien-aimés qui commencent la vie. Amen. Nous qui sommes depuis longtemps, bon, si on donnait des années ici, vous savez. Si moi je dis que j'ai 68 ans et que ça fait 30 ans de mariage, il y a un autre qui viendra qui dira moi j'ai 50 ans de mariage et 70 ans. Donc on n'est pas là pour les performances. On est venu juste encourager nos bien-aimés qui commencent la vie, qui se sont mariés. En fin de compte, si c'était au moins Sinaï, voilà. Ça aurait été au moins Sinaï, je les aurais reçus, bras dessus, monsieur, madame, Abibo, parce qu'ils sont déjà mariés. Depuis les 13, alléluia. Et nous avons déposé à la maison là-bas, nous l'avons laissé Pamela chez lui. Depuis les 13, ils sont mariés et femmes. Et aujourd'hui, nous allons bénir. Nous allons les bénir. Mais ce n'est pas nous qui bénissons, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Nous allons juste prier pour que leur bénédiction soit couronnée et acceptée par les églises. Alléluia. Voilà, ça c'est le premier psaume. Le deuxième psaume, le psaume 127. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, quels que soient les conseils, et bienvenue que nous pouvons te donner. Pamela, quels que soient les conseils, nous pouvons terminer la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Vous dites tout ce qu'il faut pour le mariage. Ce n'est pas du tout ça qui se fera quand vous serez dans la réalité des faits, dans la pratique. Mais nous sommes venus ici pour vous faire comprendre que ce ne sont pas les hommes qui sont ici présents qui bâtissent la maison ou le mariage. C'est Dieu qui bâtit. Alléluia. C'est Dieu qui bâtit la maison. C'est Dieu qui bénit la maison. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les ressources. Alléluia. Voilà, nous voulons tout simplement demander à ce que Dieu vienne les aider à bâtir leur couple, leur ménage. Amen. Amen. Je ne peux pas expliquer tous les textes parce que vous voyez, il faut respecter le temps. Alléluia. Et le verset clé que j'avais réservé pour vous et pour les mariés, c'est Hébreux chapitre 13. Et verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impunis et les adultères. Je prends la première partie. La première partie, vous regardez. Il n'y aura pas d'adultère dans le lit. Le marié. Mais je prends la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que le mariage doit être honoré de tous. Nous qui sommes là, que vous soyez croyants, incroyants, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez, je ne sais pas moi, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, mais aujourd'hui nous sommes d'accord pour honorer ce mariage. Alléluia. Nous allons tous honorer, c'est-à-dire respecter ce mariage et bénir ce mariage et puis souhaiter à ce que le couple habite et des enfants. Parce que Dieu, la volonté de Dieu, que tout le monde soit fécond. Alléluia. Donc Dieu honore le mariage et nous allons honorer aussi ce mariage par des acclamations, si vous êtes d'accord, que nous bien nous mettons par acclamations. Ensemble, toutes les deux églises sans distinction. Soyez bénis et richement bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you.
Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Aujourd'hui, c'est un jour des acclamations. C'est un jour où nous allons à tout moment acclamer parce que c'est un événement. Un événement heureux. Je sais que même si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, demain ce sera votre tour. Amen, le célibataire. Ok. Demain ce sera votre tour. Nous réunissons encore Dieu parce que maintenant là, nous allons passer au bon moment. Très bienvenue. Ça bouillonne. Hein? C'est le premier là. Ça bouillonne comme le pasteur l'a dit. Hein? Donc, c'était bon. Je pense que vous ferez quand même plaisir pour nous. Vous savez, il y a. On est en train de discuter, pas de discuter, mais de faire un débat. Il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce qu'on peut. On ne peut pas faire rester autant d'années sans pour autant peut-être gifler sa femme. Alléluia. Mais moi, j'ai dit c'est possible. C'est pour cela dans des conditions pareilles. Nous disons aux jeunes gens que vous pouvez arriver. Alléluia. Vous pouvez arriver. C'est pour cela que nous donnons cet exemple pour essayer de vous montrer qu'il y a lieu d'aller de l'avant. Amen. Ok. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Acclamons pour le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez. On va le faire tout le monde. On va le faire. On va le faire. Allez là-bas, allez là-bas. Jouez de la musique. Nous avons besoin de parents. Les parents de deux familles, c'est-à-dire que les représentants de deux familles. Voilà, voilà. Acclamons pour les parents. Amen. 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 Je sais que vous avez vu le pasteur, le père spirituel de la sœur Pamela. J'aimerais que vous voyez aussi le père spirituel de le frère Bienvenu. Amen. Amen. Et l'apôtre avec tout le respect. Si, okay. On acclame aussi pour le nom de Dieu, l'apôtre Louis. Amen. Amen. Avant que nous commencions, j'aimerais quand même apporter un petit mot. Tu disais à l'église que on peut tout manquer de faire pour quelqu'un et pas pour bienvenu. Je peux créer peut-être des jaloux, mais bienvenu, c'est vraiment un trésor. C'est vrai, vraiment un trésor. Que Dieu bénisse par là. C'est que la sœur Pamela, vous êtes tombé sur le bon endroit. Merci chers parents pour le travail abattu. Ce n'est pas facile d'élever les enfants aujourd'hui qui vous amènent dans cet honneur aujourd'hui. Je pense que c'est un honneur pour vous les parents. Vraiment, c'est une bonne affaire que Dieu vous bénisse. Mais avant de rentrer, j'aimerais que papa, vous puissiez quand même prendre la main de votre fille, la donner au frère Bienvenu, pour dire que vraiment je suis très content de ce mariage et je te donne la main de ma fille publiquement devant le peuple de Dieu. Et même si vous pouvez dire le mot, c'est bon. Bienvenue devant le peuple de Dieu et devant l'Éternel, je te confie Pamela. Ah,
une résidence. On va se lire. On va se lire. On va se lire. On va se lire. On va se lire les membres. Ok, ok. Merci. Merci que Dieu bénisse. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. Vraiment, chers parents, nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Père de Dieu. Nous, nous continuons notre programme. Maintenant, c'est un moment. Restez là sur le paille. Restez là. C'est votre jour. Piétiner, marcher sur le paille, ce n'est pas grave. Avant de commencer la cérémonie, peut-être poser des questions ou quoi. Est-ce que près de vous, regardez-vous face à face, voyez en face à face. J'aimerais que vous puissiez découvrir d'abord votre voix. Soulevez le voile. Thank you.
Inutile de demander, mais aussi le malade, pas c'est ça, tout ça, parce que c'est juste que Allah. Voilà. C'est-à-dire que garde au jaloux, c'est jusqu'à la fin. Il n'y a plus de tentateur parce que c'est fini. Nous allons continuer la fin aujourd'hui, c'est fini. Même s'il y avait quelqu'un qui regardait là, non, la loi qui a été déjà comblée, c'est fini. Voilà. Maintenant, nous passons par La richesse. Voilà. C'est-à-dire que c'est une femme de valeur. La Bible le dit, on peut tout hériter de ses parents. Hein? Tout l'argent, les maisons, tout ça. Mais une femme de valeur, c'est un don de l'éternel. Voilà. Donc, Pamela, ton. Voilà. Ton pour bienvenue. Et ma soeur Pamela. Veux-tu prendre? Je ne sais pas lui, s'il y a un préfixe, je ne sais pas. Parce que là, voilà, on va découvrir ça. C'est un moment vraiment très important. Est-ce que veux-tu prendre le frère bienvenu comme époux? Oui, je veux prendre le frère trésor. Se rappelle de notre Dieu d'aujourd'hui et qui se rappelle effectivement de l'alliance qu'ils ont conclue avec toi, notre Dieu, et que la bénédiction de l'Éternel soit leur partage et que leur maison soit une grande bénédiction. Au nom de Jésus, amen. Amen. Pour que leur maison soit une maison de bénédiction. Ok. Et nous, c'était aussi un moment très très important. Je sais que le cœur est toujours en train de se battre là. Ça n'est pas encore fini. Je pense que ce moment-là,
d'un moment des alliances et pour avant de faire introduire l'anneau, chacun va encore s'exprimer. Parce que là, c'était pas vraiment une expression, une profonde expression venant du cœur. Parce que quand ils se sont rencontrés, ils se sont dit des choses. Ils se sont aimés. On ne sait pas comme ça sans pour autant dire des choses. Et des gens qui disent que moi, la première fois, quand j'étais riche, j'étais la cette nuit-là, je ne dormais pas. Et maintenant, nous allons entendre cette expression venant de la profondeur de leur cœur. Chacun va dire quelque chose. Alléluia. Bienvenue, c'est un moment favorable, important. Parce que le jour où il y aura des problèmes, quoi que ce soit, je ne sais pas, mais la sœur peut vous dire que voilà, ce jour-là, tu as prédit ce souci. Et vice versa. Et on va venir au frère bienvenu. L'alliance de la sœur Pamela. Le micro, s'il vous plaît. Restez à l'écoute de l'église. Et nous allons entendre ce que notre frère Trésor, bienvenu, va dire à la richesse Pamela. Écoutez, écoutez, écoutez. Richesse, je te promets fidélité, amour, respect. Je te promets aussi d'être un bon mari, responsable de famille. Le frère bienvenu, il dit que c'est là un bon mari. Amen. Amen. Un bon mari et responsable. Ça, c'est très, très important. Ok. La sœur Pamela, c'est maintenant ton tour. Ah. Voilà. Ça monte. Trésor, je te donne mon cœur. Et d'être une femme soumise à tes côtés. Oh,
Bye.
Nous allons passer à la signature du livre d'or. Je vais lire ce qui est écrit avant que le marié pose la signature, qu'il ait la connaissance de ce qu'ils vont signer. Il est écrit dans cette page, c'est le 28e jour du mois de septembre, l'an 2014. Messieurs, Georges Bienvenu à Bibo et mademoiselle Cheryl Pamela Mambouana se sont unis devant Dieu, devant l'Assemblée des Saints et en présence de leurs familles respectives dans les liens de mariage monogamique. Je viens préciser mariage monogamique. Amen. Et je vais inviter le marié. Le marié va venir poser sa signature. Amen.
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons de toute action des grâces pour cette première partie, Seigneur, la fête que nous célébrons à ton nom Jésus-Christ. Maintenant que nous allons passer au moment de la lecture, Seigneur, je voudrais te confier toute l'oriture qui a été apportée dans ta présence. Vérifie et sanctifie tout ce que nous allons consommer et boire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Béni sois-tu, éternel Dieu, car nous croyons, Seigneur, que tout est accompli au nom de Jésus. Amen. Amen. Excusez-moi, la maison ne peut pas s'arrêter là. Je voudrais qu'on puisse honorer les hommes et les femmes de Dieu qui sont venus parfois de loin, qui se sont déplacés. Les autres sont venus de Nancy, les autres de Vray, les autres aussi ailleurs. Je voudrais vraiment qu'on puisse honorer ces personnes qui se sont dit nous allons nous déplacer pour le mariage de bienvenue ainsi que Pamela. Je voudrais donc une fois pour toutes inviter tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont là présents et célébrer, et le peuple de Dieu va acclamer votre présence pour la gloire de Dieu. Pour te rendre le mal.
de l'agneau. Lavé par le sang de l'agneau. Thank you.
gloire au Seigneur. Let's go.
l'âme, coupe puissante, sang de l'âme, âme de l'âme, net de l'âme, coupe puissante, sang de l'âme, âme de l'âme, net de l'âme, coupe puissante, sang de l'âme, âme de l'âme, net de l'âme, coupe puissante, âme de l'âme, âme de l'âme, net de l'âme. J'ai tourné dans le
crucifié, il est ressuscité, son nom est